À chaque retour de location de l'élévateur mécanique, effectuez un contrôle visuel global de l'appareil. Les principaux points de vigilance, le câble, le frein de sécurité, les fourches. À chaque préparation, nettoyez et graissez le treuil. Contrôlez et nettoyez les roulettes et les freins. Vérifiez que les fourches ne soient pas gauchies. Afin de faciliter votre contrôle, déposez les fourches sur une surface plane. Vérifiez que les mâts soient parfaitement alignés et libres. Vérifiez la présence et l'état de la barre de sécurité des fourches. Vérifiez la présence et l'état du levier des mâts. Enfin, vérifiez l'état des stabilisateurs. Si le câble est emmêlé, il vous faudra impérativement le détendre afin de l'enrouler correctement. Si le câble est coupé, effiloché ou écrasé, celui-ci devra être impérativement changé. De même, vous devrez vous assurer du serrage correct de tous les éléments du matériel, notamment des galets de guidage.